Exercice 1.5.4. Prouvez que pour toute matrice A carré d'ordre n à coefficient dans K, la matrice 1/2 A plus transposée de A, elle est une matrice symétrique et la matrice 1/2 A moins transposée de A, elle est antisymétrique. Et après, il faut déduire que chaque matrice carrée peut être écrite comme la somme d'une matrice symétrique et une autre antisymétrique. Une petite remarque avant de commencer, la notation A transposée ou bien transposée de A, c'est la même chose, on parle que de la matrice transposée de A. Pour montrer que la matrice 1/2 A plus transposée de A, elle est symétrique, il faut montrer que transposée de cette matrice n'est autre que la matrice elle-même. Donc, je vous conseille de revoir les propriétés de la matrice transposée parce qu'on va utiliser cela beaucoup dans la preuve. Donc, on commence transposée de cette matrice. Je vous rappelle, transposée d'un scalaire fois une matrice, ce n'est autre que le scalaire fois transposée de cette matrice. Donc, ça, c'est l'une des propriétés de la matrice transposée. Puis, si vous avez transposé de A plus B, ce n'est autre que transposé de A plus transposé de B. Donc, on applique cette propriété pour cette étape-là. Transposé de A, ce n'est autre que A. Et finalement, on a transposé de A plus A, c'est la même chose que A plus transposé de A, puisque la somme, elle est commutative, somme de matrice est commutative. Donc, on a commencé par transposer de la matrice B, juste, je l'appelle à nouveau comme ça, et on a retrouvé la matrice B, la même matrice B, transposée de B égale à B. Donc, vous pouvez déduire directement que cette matrice-là, que j'ai notée B, elle est symétrique. On doit faire la même chose pour 1/2 A moins transposée de A. Donc, dans ce cas-là, 1/2 A plus moins transposée de A, on va la montrer qu'elle est antisymétrique, non pas symétrique. Donc, pour montrer qu'une matrice, elle est antisymétrique, dans ce cas-là, il faut que transposé de cette matrice-là, il est égal à son opposé. Donc, je veux calculer transposé de la matrice 1/2 A moins transposé de A et montrer que c'est l'opposé. Donc, c'est moins 1/2 A moins transposé de A. Donc, vous avez exactement jusqu'à là les mêmes étapes. Donc, je ne veux pas les répéter. Scalaire et puis transposé, transposé, etc. Mais là, la matrice initiale était 1/2 A moins transposé de A. On a trouvé 1/2 transposé de A moins A. Donc, on peut factoriser par moins. On aura moins transposé de A plus A. Et puis, on écrit de la même façon que la matrice initiale. Donc, on aura moins 1/2, 1 moins transposé de A. Je vous rappelle, plus elle est commutative. Donc, vous avez commencé par transposer, par exemple, de la matrice C. Vous avez retrouvé moins C, donc la matrice C, elle est antisymétrique. La matrice C, ici, n'est autre que 1/2 A moins transposé de A. Déduction, on vient de montrer que la matrice 1/2 plus transposée de A, elle est 1/2 A plus transposée de A, elle est symétrique, et 1/2 A moins transposée de A, elle est antisymétrique. Donc, on veut montrer que toute matrice carrée, comme celle A, elle n'est autre que la somme de ces deux matrices-là. Si vous faites la somme, remarquez, 1/2 A plus 1/2 A, ce n'est autre que A. Et 1/2 transposé de A moins 1/2 transposé de A, c'est nul. Donc, ainsi, toute matrice A peut être écrite comme une somme d'une matrice symétrique et une autre qui est antisymétrique.